Salut, bienvenue sur Frey HD, la chaîne où on parle moto, Harley Davidson et plus particulièrement du Softail Standard, puisque c'est ma moto. Dans cette vidéo, je vous partage ma participation au Freedom Tour 2022. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, il y a une belle surprise car j'ai une annonce importante à vous faire. Allez, c'est parti! Tu vas crever de chaud, mon Seb. Non, ça va, il va bien. Ça va, ouais. C'est un double XL. Merci de me le rappeler. Oh là là. Je suis pas gros, je suis costaud. Les beepers, ça va vous appeler pour briefing. Okay. Quand ça va sonner et vibrer, rendez-vous juste à côté. Ok. D'accord. Donc le street, c'est la 12 et vous, c'est la 13. Ceci, ça sera mettre bras gauche tout à l'heure. Et pareil pour vous sur le deuxième. Super. Merci beaucoup. À tout à l'heure. À tout à l'heure. How I try to sleep, but you're deep in my mind. Got a hold of me, when I'm awake I'm all blind. You and your magic, like infinite power. God knows I try to resist, but you're pulling me closer. Oh, I gotta stay away, but you won't let me. No one makes me feel like you do. When no one sets my body on fire, and no one gives me shivers like you. Oh, no one does it better. Voilà pour ces quelques images du Freedom Tour, deux tours, et quelques images de la concession également. Alors si certains sont frustrés de ne pas avoir pu me voir essayer le Road Glide ST sur cette vidéo du Freedom Tour, je vous mets la vidéo là-haut. J'ai pu l'essayer il y a quelques semaines et j'ai pu vous donner mon ressenti. Alors on va passer dans mon tunnel préféré. Le tunnel préféré de Tours qui me rappelle fortement mon road trip à Morzine, puisqu'on en a passé des bien plus gros que celui-là. Un vrai gamin. À venir évidemment l'essai du Lowrider ST que je n'ai pas pu essayer pour l'instant. On arrive à la surprise de la fin de cette vidéo. Ah, une surprise, bon, une information on va dire, mais
hyper importante pour moi. Ça fait quelques semaines que je travaille sur la création d'un site internet, le site FreyHD, ou plutôt FreyHD, le site officiel. Alors pourquoi ce site? Parce que j'ai déjà ma chaîne YouTube, plus un petit peu d'Instagram, un petit peu de TikTok, par-ci, par-là, pour garder contact avec tout le monde et puis poster des petites choses rapidement. Mon point d'entrée privilégié, ça reste toujours YouTube, on est bien d'accord. Je vais continuer à faire des vidéos YouTube, mais vous commencez à être nombreux, j'ai beaucoup de sollicitations par message, pas mal de questions, et j'en suis ravi, hein, c'est génial. J'ai quand même de plus en plus de difficultés à pouvoir répondre à tout le monde, même si je le fais, vous le savez. Je reçois souvent des commentaires qui me disent « Oh, bah, au moins toi tu réponds », parce qu'il y en a plein qui répondent pas. J'arrive à le faire parce que je suis une toute petite chaîne. Est-ce que je vais pouvoir faire ça quand j'en aurai 10, 20 000 ? Le but, c'est de pouvoir répondre à vos questions. J'ai bien travaillé sur le site. Vous allez pouvoir y aller dès aujourd'hui puisqu'il est disponible. Je vous donne l'adresse www.freyhd.net et je vous l'écris là quelque part sur l'écran. Et donc, sur ce site, qu'est-ce que vous allez y trouver ? Eh bien, plein de choses. Des articles avec des infos sur l'envers du décor, des infos pratiques sur mes équipements, que ce soit mes équipements de sécurité moto, mes équipements vidéo. Et puis vous allez trouver aussi les références des différents accessoires moto que j'ai pu acheter, installer sur ma moto. Tout ça va arriver au fur et à mesure puisque le site est tout neuf et pour l'instant, vous verrez, il y a quelques infos mais tout n'y est pas. Et ça va être alimenté régulièrement. Je vais vous rajouter des choses au fur et à mesure, certainement même de vos questions. Ce qui fait que lorsque vous me poserez des questions sur Insta ou sur YouTube ou sur Facebook aussi, parce qu'il y a Facebook, n'oublions pas, quelquefois je vous renverrai directement sur mon site internet sur lequel vous retrouverez toutes les infos dont vous avez besoin. Ça me fait gagner du temps et vous, ça vous permet d'avoir toutes les infos en live avec les liens des différents sites, tout sera en ligne sur mon site. Alors ça veut pas dire que je veux plus vous parler et que je veux plus que vous m'écriviez en direct. N'hésitez pas à m'écrire toujours et à communiquer. Tant que je pourrai vous répondre, je le ferai avec grand plaisir, évidemment. Et alors sur ce site, on va également trouver des goodies. Là, je viens de sortir donc les tout nouveaux autocollants. Il y avait déjà une première série d'autocollants qui va devenir collector parce que il y en a une centaine de distribués. Je viens de sortir une nouvelle série et je le trouve super joli. Et vous aussi, a priori, en tout cas. Certains l'ont trouvé joli et me demandaient comment se le procurer. Il va être disponible directement sur le site. Et c'est pas tout, je travaille sur d'autres goodies. Je vous en dirai plus dans les prochaines vidéos, mais tenez-vous au courant. Il va y avoir des trucs d'enfer. Je vais en profiter aussi pour vous remercier tous pour vos encouragements, pour votre soutien. Il se passe des choses folles, parfois avec mes abonnés. Des moments suspendus, je pense à Tonton Tite, qui se reconnaîtra. Bon ben voilà. On va finir cette vidéo sur cette image parce que c'est grâce à elle que tout est possible, que je vis cette grosse aventure YouTube. Si elle n'était pas là, il n'y aurait rien du tout. Qu'est-ce que je l'aime cette moto ! Toutes ces aventures que j'ai vécues avec là en 2 ans, c'est quand même assez dingue. Et de pouvoir vous partager tout ça, c'est un vrai plaisir. Je vous souhaite une excellente fin de journée, un bon week-end, une bonne semaine, et on se dit à très bientôt. Allez, ciao !